Je savais que je devais pas recommencer. C'est bon, c'est parti pour une nouvelle et dernière vidéo sur Give Up. Comme une fois Mario, 3 vidéos, 3 rages. Bah, à peu près pareil. Alors, l'autre était une suite, et puis là, carrément, je vais essayer d'aller plus loin. Et bah, j'étais allé à 80% juste après avoir fait la vidéo, comme de par hasard. Et donc, bah là, je le refais. Bon, j'espère que ça va aller. Et. On va pouvoir aller loin sans que je rage trop parce que j'ai vraiment pas envie d'y jouer. Je vous jure que quand je me suis dit qu'il faut que je fasse une vidéo parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et que j'ai vu que il y avait un petit give up dans ma page de début, j'ai fait non, toi tu m'auras pas. Et là, finalement, bah ouais, et là par contre, bah ça commence déjà. Bon, là c'est juste parce qu'en fait ça fait longtemps donc mais bon, par rapport à l'autre niveau auquel j'étais bloqué, je pense que ça va aller mieux. Bon, là c'est juste parce que j'ai mal appuyé. Là je suis en concentration. Donc si je pars pas beaucoup, ça va être à peu près normal. Parce que bon, j'ai déjà pratiquement tout dit dans l'autre vidéo. C'est un jeu très énervant comme une fois Mario. Les niveaux sont tous les mêmes, mais toujours avec un peu plus de trucs qui te saoulent. Et surtout, c'est ce putain d'œil en haut qui te dit s'il te plaît, give up. Pour dire à quel point les créateurs de ce jeu sont des gros sadiques qui veulent qu'en fait tu ne réussisses pas. Donc bah voilà, c'est bon, les canons de James Bond reviennent. Voilà. Bon, en fait, je sais pourquoi je disais que c'était James Bond, mais en fait, faut regarder leur cadence de tir. Là par exemple, là faut pas y aller parce qu'en fait au moment où il va te viser, il va carrément tirer. Et en fait, c'est environ toutes les 5 secondes, il tire. Donc par exemple là, il faut pas y aller, parce que sinon bah le truc il va te tirer dessus. Et donc bah en fait je disais James Bond mais c'était juste parce que je suis un énorme rageux. Et donc juste un énorme noob aussi. Voilà, regardez, là le canon de James Bond, c'est parce qu'il y a 5 secondes qui se sont retirées, voilà. Voilà, là il y a les 5 secondes qui se sont écoulées, du coup le canon m'a tiré dessus. Voilà, par exemple. Et donc bah c'est normal que ça te donne vraiment envie de rager. Esquive. C'était pas encore là où je commençais à rager. Bon, là c'est juste parce que j'ai mal appuyé. Attendant, les touches sont quand même loin de moi parce qu'en fait, juste devant moi, pour bien qu'on m'entende et que ça prenne bien, bah, il y a mon petit outil. Donc évidemment, j'ai pas envie de vous le dire parce que bon. Et donc voilà. Oh putain. Et donc bah il y a mon clavier qui est juste loin. Bon, c'est un Windows 8. C'est un PC Windows 8, donc bah, le PC est intégré comme beaucoup d'ordinateurs portables. Et la feinte. Et voilà, là par contre ça m'énerve ça. Quand t'es dans les airs, tu dis tu vas tomber tranquillement. Et là par contre, t'as un putain de canon qui a tiré comme par hasard au même emplacement. Là j'ai de la chance de passer. Mais sans déconner, c'est énervant. C'est horrible. J'espère que pour tous ceux qui se sont moqués de moi, ils ont dit oh, mais c'est un noob et tout. J'espère qu'ils ont tous joué à Give Up. Avant de dire ça. Bon, le niveau que je venais de terminer, c'est exactement le niveau auquel j'étais bloqué. Donc je ne comprends pas pourquoi j'étais bloqué à ce niveau qui est pourtant quand même facile. Non, c'était parce que comme c'était les premières fois. On va voir. Alors mon record personnel, 80% du jeu. Parce qu'après, je vous jure, c'est le gangbang assuré. C'est le bordel. Il y a des canons, il y a des lasers, il y a des trucs qui tombent, il y a des scies, c'est le bordel. Donc je vous jure que quand je disais l'autre coup, ouais, c'est la fiesta et tout, enfin des trucs comme ça, c'est que dalle.
Ouais, bon, là, c'était pas possible. Merde. Bon, ça, c'est juste mon attendeur d'affection qui était pas bon. Ah, putain de projectile de merde! Non! Non! Non, non, c'est horrible. Non, non, putain, ça recommence. Encore sur une ferme Mario. Bah, t'avais le côté Mario, auquel, tu vois, tu te dis, ouais, bah, c'est Mario et tout. Bon, évidemment, il y a plein de parodies, il y a des jeux pourris, il y a des jeux bien. Mais bon, sans déconner, ce jeu, personne ne le connaît. Personne connaît ce petit personnage. On va l'appeler Jean. Je sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler Trou du cul du man. Trou du cul man, parce que là, ça m'énerve. Putain de mec de merde, vas-tu sauter? Allez. Oh non, mais c'est dégueu. Eh, mais au simple. Ce jeu, il est tellement, mais il est tellement au pixel près qu'au simple fait de toucher cette plateforme de merde va les faire tomber. C'est dégueulasse. Le mec, t'es même pas dessus, c'est pas censé tomber, mais juste parce que tu l'as touché. C'est comme si moi, en fait, imaginons, hein, souvent à cet âge-là, quelqu'un te saoule, tu veux le taper. Bah, en fait, tu te mets juste à côté de lui et le mec, il fait ouais, tu m'as tapé! Oh putain, ça m'énerve. Voilà, je suis sûr que c'est ce putain de niveau auquel j'ai ragé. Sans déconner, là, je suis vraiment pas d'humeur. En plus avec ça, parce que juste avant, je me suis cassé mais bien les couilles à faire tout ce que j'avais à faire. Non! Oh non, putain, non! Non, c'est dégueulasse. Sans déconner, ce canon de merde va vous hanter toute votre vie dans ce putain de niveau. Quand vous allez le voir, vous aurez qu'une seule envie, c'est de lui faire un gros doigt. Parce que sans déconner, ce canon vous vise. Alors des fois, vous l'esquivez, mais de près. Et des fois, par contre, vous le prenez, mais bien dans votre gueule. Putain, mais... Voilà pourquoi je disais que c'était au pixel près. T'es obligé de coller à peu près, d'esquiver. Là, t'es réfléchi un peu. Et voilà. Et là, par contre, là, t'as le moment qui te casse les couilles. Et voilà, putain, je suis bloqué. Voilà, j'avais soit la méthode comme ça. Et ce mec peut sauter dans les airs comme Batman, mais putain! Vas-y! Oh non, pas de canon à la... Oh putain de pique de merde, c'est pique. De toute façon, ils ont jamais été votre ami dans les jeux, dans ce type de jeu. Putain, chier. Regardez, normalement, quand tu enlèves un décor, oh genre, oh putain, mais je te jure que si je me prends un canon par ta faute, est-ce... Voilà. Donc là, voilà, là c'est beaucoup mieux parce qu'il y a les trucs en moi. Par contre, vous avez ce putain de canon laser, mais qui va vous suivre. Il va vous suivre, mais je ne sais où. Et là, c'est un épic fail. Donc voilà. Bon, déjà, je suis passé plus loin de là où j'avais give up l'autre coup. Donc là, pour le moment, c'est plutôt tranquille. Et là, vous allez avoir ce putain de canon de merde qui va rapport, va, qui va ramener ces canons un peu. Voilà. Comment ça? Mais c'est n'importe quoi, juste parce que j'ai sauté, je suis mort. Bon, un avantage, c'est que ils sont plutôt lents. Ils sont plutôt lents, donc vous avez le temps de réagir par rapport à ces putains de canons. Mais putain! Le seul moment de répit, je pense, c'est là en fait. Ou encore là.
Vous allez voir que dans les niveaux d'après, vous allez avoir un putain de canon de merde qui va venir vous voir. Voilà. Si on le voit, il y a un maudit canon. Mais regardez, là c'est le gangbang là. Là t'es visé de partout. T'as pas le temps de réagir. Putain. Et là voilà, là je pouvais pas passer. Ce putain de canon laser avait bloqué l'issue. Ça c'est dégueulasse. Ce canon là, le rayon X. Mais c'est dégueulasse. Voilà, putain. Pourtant ils sont gentils, hein. Ils ont quand même mis un lieu auquel bah, après ils peuvent plus t'atteindre. Mais par contre, sans déconner, tant que vous êtes là, le canon va vous suivre. Il va vous harceler. Et voilà, et là, putain. Canon de merde à la vitesse de la lumière. Tu vas me foutre la paix tranquille. Je me demande qui a réussi à terminer ce putain de jeu à 100%. Mon record perso, c'est 80. Et 80, c'était le gangbang. J'imagine pas à 100%. 100%. Évidemment, si tu passes en dessous, t'as les pics, donc tu meurs. Oh, t'as les canons, t'as les gangbang, tu meurs. T'as les rayons X, tu meurs. Là, t'as un canon qui va plus te donner ton moment de répit. Et putain de porte de merde. Et normalement, une porte s'ouvre. Dans un jeu, une porte s'ouvre. Tu rentres directement dedans. Mais là, t'es vraiment obligé de rentrer. Vraiment, mais au pixel près, à l'intérieur. C'est vraiment, t'es juste à côté, ça va pas compter. Et aussi, ce putain de bruit de canon de merde. Là, je suis à 60%. 20% de mon record. Voilà. Et encore des canons à la James Bond. Entre l'autre, là, qui te dit, juste give up. Ça veut dire, appuie juste sur give up. Tes souffrances seront terminées et tu pourras alors te pendre. Sans déconner, c'est n'importe quoi. Canon de merde, putain, t'es aussi rapide que ça d'habitude. Mais regardez, il y en a certains qui vont à 2 à l'heure. Et comme par hasard, il y a des putains de canons qui vont. Mais regardez ce canon! Lui là. Lui. Vous allez là. Et voilà, c'est bon. Il vous a déjà rattrapé. Regardez. Il vous a déjà rattrapé. Alors, entre les pics. Là, j'ai vraiment une putain d'envie d'appuyer sur le give up. En plus que ma souris est directement sur le give up. Et par rapport à l'autre coup, j'avais ragé comme un gros porc juste après, je vais arrêter. Putain. 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 Mais merde. Voilà, et là, voilà. Là, c'est facile. Là, vous dites, ah, mais c'est tout facile. Si tu meurs, t'es vraiment nul. Regardez, là, le canon, il a terminé. Bon, ça, c'est juste parce que j'ai mal joué, mais... Là, voilà, vous passez comme ça, vous faites ça, vous sautez, putain, si ce mec veut bien. Mais merde. Voilà. Et là, boum. Ah oui, aussi. Quand vous arrivez au niveau où j'étais, c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, je vous jure que quand tu dépasses les 70%, t'as des putains de murs invisibles. C'est n'importe quoi. Donc, t'es obligé de te les prendre une fois. Bon, ça tue pas, mais ça va t'empêcher de te déplacer tranquillement. Et t'es obligé de mourir une fois pour savoir au moins où se trouve ce putain de... Ce putain. Je vais être franc. Vous êtes obligé, quand vous avez le niveau avec les murs invisibles, vous êtes obligé de vous le prendre au moins une fois pour savoir où est-ce qu'il est. Et ça, c'est dégueulasse. Regardez ça! T'as même pas un instant de répit. Tu commences le niveau, tu sautes, tu meurs. Tu sautes un peu pour essayer d'avoir sur la plateforme, c'est pas la peine, tu meurs. T'as des CD partout, tu meurs. Tu meurs, tu meurs, tu meurs. Des canons, des rayons laser, des cisailles, des pics. Et après, t'as les murs invisibles qui te bloquent. Qui te bloquent. Putain de merde. Et c'est pas la peine d'essayer d'atteindre ce putain de petit carré. C'est juste un énorme fake. Vous allez tenter d'y aller dessus et non, c'est un énorme fail.
Il va juste vous bloquer pour mieux vous prendre des balles sur la tronche. Allez, va. Allez, c'est ça, vas-y, meurs. Mais putain, passe. Voilà pourquoi ça m'énerve. Ça c'est vraiment atroce. Et quand je pense que là, je me enchaîne tout. Bon, les cisailles sont assez faciles à esquiver. Regardez, là, vous passez là. Mais par contre, les canons, mais il y en a partout. Si je vous jure que je peux compter. Comptons. Alors, voilà, meurs. Ça fait 1, 2, un petit qui est caché après le dialogue. Juste entre tout et watch. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Avec 3 rayons laser, tu mets tout ça. Ça te fait des putains de hurdes. Ça te fait des putains de rayons de merde. Mais tu vas me le passer! Mais putain de merde! Tu vas me passer ces putains de séville de merde! Je vais me les couper! Tu veux mon ciseau, il est plus gros! Et en fait, en plus, avec ce canon de merde, vous avez tellement l'habitude de sauter qu'au tout début, vous allez faire. Vous allez vouloir sauter parce que vous êtes énervé. Évidemment, vous allez vous prendre le rayon et vous allez mourir. Putain, mais ce mec est obligé de sauter deux fois à présent pour pouvoir. J'en ai marre. Je déteste ces canons. Ces canons de James Bond sont horribles. Ça m'énerve. Allumette de merde. Mais pourquoi on a envoyé un mec comme ça sans protection dans un champ de bataille? Attends, et voilà, putain, maintenant c'est bloqué. Maintenant c'est bloqué, je peux plus descendre comme ça! J'essaye de me retirer parce que sinon ça va. Putain, les rayons rouges étaient tellement buggés que je pouvais passer à travers. Mais n'importe quoi. Déjà, ça, c'est un petit bug, bon, tu t'en fous. Mais par contre, un truc horrible, c'est que ces cisailles. La petite cisaille juste en haut, à côté de la porte, mais va te hanter toute ta vie. Parce que sans déconner, quand tu vas passer, là, t'as toutes les cisailles, ça t'énerve. Et là, tu te dis, j'ai plus qu'une petite passerelle à sauter. Tu sautes la passerelle, t'esquives tous les canons. Et là, t'as la putain de cédille qui arrive et qui te fait coucou, qui troll et qui tue et tu recommences. Mais putain, mais faut un checkpoint! Je sais que dans un petit niveau comme ça, bon, c'est nul, mais bon, quand même, foutez un checkpoint! Non! Mais putain, mais où? Mais le mec voit une porte ouverte, il est obligé d'être au juste milieu! C'est n'importe quoi! Je suis à 72%. Je vous assure que quand j'étais à 80%, c'était horrible. Déjà, il y a deux canons en plus. Il y a trois rayons laser environ, je crois. Il y a plus de pics. Il y a plus de CD. Je sais bien que c'est pas des CD. Je m'en fous. C'est n'importe quoi, mais putain! Oh oui, oh, I am the best, j'ai réussi à passer. Et maintenant, c'est le gangbang assuré. Bon, c'est bon, il y a des canons au moins, mais c'est toujours n'importe quoi. Allez-y, c'est le cirque. Et putain, mais pourtant, je comprends pas, le niveau est plus simple. Pourquoi j'y arrive pas? Ils ont retiré des canons, ils ont retiré un canon. Et... Ah voilà. Ah voilà les fameux murs invisibles. Regardez, je vais passer là. Eh ben non, tu es un mur invisible, donc tu dois te prendre cette putain de... Voilà, donc en clair, ce qu'il faut faire, c'est au tout début, vous attendez, vous avancez un tout petit peu pour descendre, vous passez là, en évitant d'essayer de ne pas prendre le mur et les CD. Je sais bien que c'est pas des CD, mais ça m'énerve, des engrenages, des trucs qui piquent, des petits ronds tout mignons qui piquent. Donc là, vous avez exactement le même niveau qu'il y avait deux niveaux auparavant, mais juste avec des murs invisibles en plus. Ah là là, des créateurs de jeux bien pourris. En s'en faisant des dons pour qu'ils puissent pouvoir enfin faire des jeux bien.
Bon, ce jeu est assez beau, mais bon, problème avec ma qualité de merde, c'est que ça le rend dégueulasse. Mais ce jeu, sans déconner, est bien fait. Ça, faut l'avouer, il est bien fait. Niveau graphique. Parce que niveau difficulté, c'est impossible. Je me demande qui, bon, c'est fait déjà deuxième fois que je le dis, mais qui a réussi à arriver à 100% et surtout quelle animation tu reçois. Parce que souvent dans des jeux pourris comme ça, genre tu regardes le JDG, là, le joueur du grenier, quand il termine un jeu, souvent il y a une cinématique de merde à la fin, tu te casses les couilles. Bah là c'est pareil, je suis sûr qu'en fait tu vas avoir une cinématique de merde, le give up et qui te fout une fleur et qui te dit nous sommes cool, espèce de sadique de merde. Non! Putain. Quand je vous disais que c'est au pixel près, c'est vraiment au putain de pixel près. Parce que je vous assure que si vous touchez à un pixel des pics, des sissi ou des canons, vous allez mourir. Non, mais les canons à rayon X, ils comptent. Enfin, rayon X. Ouais, bon, bref, des canons rouges. Bah, eux, ils sont. Eux, tu peux traverser tellement que ce jeu bug. Tellement que les mecs, ils ont foutu de bordel. Que ça a pas tout sauvegardé. Et putain! Oh putain, vivement que le printemps vienne pour pouvoir enfin avoir des nouveaux jeux. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, les jeux pourris, ils sortent tout le temps en automne ou en hiver. Réflexion nulle, inutile et qui est hors sujet. Putain, et ce canon rouge là, il m'énerve! Évidemment, c'est un rayon laser, mais même, j'ai pas envie de le dire, c'est trop long. Et pourtant, vous allez bien les voir. Par exemple, ceux qui, comme celui-ci là, vous allez bien voir vos ossements de vos petits squelettes là, tranquille. Now, sorry. Au moment où j'ai vu ce message, j'ai commencé à péter un câble. Ce mec est un putain de troll. Le mec il fait oh, vous êtes à 24% de la fin. Dommage. Désolé, mais c'est comme ça. Sans déconner, mais les mecs ils ont bien prévu de te faire rager à un point. Mais ça m'énerve. Oh putain. Oh je sens que je sens que. Là. Qui a réussi une troisième fois, parce que là ça m'énerve, a réussi à avoir 100% à ce jeu. Je suis sûr que même les créateurs du jeu, quand ils l'ont testé, ils ont fait ce jeu est bien dégueulasse. Il est trop impossible. Et bah c'est parfait! Allez, on envoie sur le site web et on fait rager des milliers de personnes. Quand je pense qu'en plus c'est un jeu bien connu. Et bon, c'est comme ça, les jeux pourris sont bien connus. Allez, c'est ça, vas-y, tue-moi, là j'en ai marre. Je suis à 400 morts. Attendant, ce mec, je sais pas pourquoi. Attendant, je sais pas pourquoi, mais ce mec, lui, eh ben, il meurt 400 fois, mais il s'en fout, il veut quand même atteindre les portes. Pourquoi tu veux atteindre des portes? Il y a un petit cookie. Putain! Non! J'étais à 5 pixels, juste au-dessus de cette putain de sortie. Oh oui! Oh! Ah!
C'est bien là, il n'y a plus de canon. Ils sont bas! Ah oui, on pense que c'est moins compliqué. Mais non, au contraire, c'est bien plus. Parce qu'il y a des putes. Ah, ok, donc en clair, tu dois passer comme ça. Tu dois sauter là, esquiver, ensuite tu passes là. Putain, je vous jure. Ah voilà, c'est bon, on est à 80%. Donc là, c'est bon, j'ai battu mon record. Enfin, pas encore. Oh putain. Oh putain, de merde, canon qui te suit. Tête chercheuse. Enfin, c'est pas des têtes chercheuses, mais elles vont te suivre jusqu'à ce qu'elles détruisent et qu'elles sortent de ce putain de jeu. Allez, pour bien te faire chier, en plus il y a un canon à côté de la sortie. Et puis ce jeu bug tellement que j'ai été traversé par un rayon laser mais que je suis même pas mort. Putain de merde. En fait, on pouvait passer aussi. Ah non, on pouvait pas passer, c'est un immense troll parce qu'en fait c'était une cage invisible. Putain! Mais merde! Non! J'en ai marre! Putain, on préfère encore aller jouer à Pee-Wheels. Je veux le terminer, je veux atteindre 90%. Je sais bien que ça va être impossible que j'ai appuyé sur le give up avant, mais je veux essayer au moins une fois dans ma putain de life. Arriver à 100%. Je vous assure que si jamais j'y arrive. Bon, en fait, ça va jamais arriver en fait. Regardez, immense troll. Et voilà, c'est bon, t'es bloqué, lol. Et putain, c'est n'importe quoi. Les canons peuvent traverser, mais toi, t'as pas le droit de traverser, lol. Ah oh, putain, voilà, ben, c'est bon, je suis bloqué. Je sais pas si ce jeu a été formé par un putain de psychopathe qui a décidé de changer et de faire concepteur de jeu, mais sans déconner, ce mec a décidé de faire pourrir la vie à toutes les personnes qui ont envie de jouer à des jeux vidéo de plateforme. Oui, c'est un jeu de vidéo de plateforme pour ceux qui savaient pas. Et les jeux vidéo de plateforme, c'est Mario, comme on te fait Mario par exemple, ou alors la Give Up. Il y a d'autres trucs, hein. Il y a d'autres niveaux bien chiants aussi. Hein. Enfin, niveau, il y a d'autres jeux bien chiants aussi. Mais bon, évidemment, on va pas tous les faire. Allez, que trop. Putain, j'en ai marre. Je sens que je vais appuyer sur ce putain de bouton. Je vous jure que si j'appuie sur ce putain de bouton. Sans déconner, je veux un trophée si jamais j'arrive à terminer ce jeu. Vas-y, c'est ça. Vas-y, tue-moi, je suis bloqué. Putain, tue-moi! Ce mec, c'est vraiment un psychopathe! Le mec, il dit, j'aime ton mentor. Tu es comme. Tu es bon aussi. Juste pour dire, ouais, c'est ça, vas-y, c'est foutu. T'es bon, mais bon, c'est comme ça. Putain de merde, de merde, de merde, de merde! Ah oui, aussi un autre moyen pour savoir où est-ce qu'il y a des putains de. Où est-ce qu'il y a des trucs invisibles. À vos squelettes. À vos squelettes. À vos. Là où sont. Vos ossements, ou là où il va jamais y avoir de sang. Oh putain, et les canons qui te chopent au vol, c'est horrible, c'est dégueulasse. Je vais assassiner ce jeu. Je vais te tuer, jeu de merde. Six morts. On arrive à 510 sans passer le niveau. Je quitte. Allez, 515 parce que je pense que vous devez bien aimer me voir rager.
Allez. Allez, passe. Passe. Ah putain de merde, mais passe! Et voilà, putain, je suis dans la cage qui va t'emmerder. Mais non! Oh non! Même en étant en haut, tu peux quand même atteindre ce... Tu peux quand même tomber dans ce putain de piège. J'étais encore un connard! Mais meurs! Après autant de souffrance, voir une petite fleur comme ça vous donne encore plus envie de rager! Vous avez fait de votre meilleur, mais vous n'avez pas pu gagner. C'est cool. Nous sommes cool. Vous êtes cool. Non, vous êtes ok. Alors, développé par Armor Games, ce jeu, c'est pourtant un bon truc de jeu. Alors. Bon, c'est décidé, si jamais tu me refous encore un jeu pourri, Armor Games, je te mets dans ma liste des Nemesis. Alors, The End. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que t'as bien aimé, que tu vas la partager pour que plus de personnes voient comment je rage. Allez, sur ce, moi, ah oui, au revoir, allez, au revoir, hein?